Bonjour à toutes et à tous. Voilà, il est là, le coffret de Columbo en Blu-ray, l'intégrale qui vient de sortir chez l'Atelier d'Images. Alors après une petite frayeur de livraison par la poste en Colissimo du coup, avec des incidents de livraison par deux fois. Et bien finalement, aujourd'hui dimanche, je l'ai eu dans ma boîte aux lettres. Oui. Et oui. Donc je pense que c'est la période de Noël du coup qui a fait que la poste livre même le dimanche des colis qui sont bien trop nombreux. Donc voilà le coffret tant attendu. Je l'avais précommandé en octobre dernier. J'avais fait d'ailleurs une petite vidéo de précommande pour expliquer le contenu du coup à venir de ce coffret et aussi mon autre édition que j'avais en DVD. Et voilà le coffret de Columbo sorti chez l'Atelier d'Images. Très beau coffret, je suis très très content de l'avoir en main. En qualité Blu-ray. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que le coffret est rigide, de très belle fabrication, avec des digipacks à l'intérieur renfermant les différents Blu-ray. Donc vraiment, vraiment ravi d'avoir cette série emblématique pour moi, enfin en Blu-ray. Voilà, en exclusivité et limité à 2000 exemplaires et des suppléments exclusifs concoctés par des critiques de séries très très connues comme Alain Carazé et Romain Nigita. Donc voilà pour le coffret, comment il se présente. Donc il est assez épais, pas très grand, mais c'est très bien comme ça prendra un peu moins de place. Et je vous l'ouvre. Ah oui, je ne vous ai pas montré dessous. Hop, dessous, les caractéristiques techniques. Et la carte de police de l'inspecteur Colombo. Lieutenant Franck Colombo. Voilà, les détails sont vraiment sympas. Donc je l'ouvre. Et donc ça s'organise comme ça. Donc. Le coffret est comme ça, vraiment hyper épais, très qualitatif. Je vais le poser là. Après, une frange d'accroche sur cette face. Là, on peut voir les digipacks avec le livret que je vais vous montrer juste après. Encore une petite chose. Donc, ce que je vous ai montré juste avant, c'est sur cette face-là. Et après, les digipacks. Donc, alors voilà, comme ça. Et hop, le livret, le guide des épisodes. Avec un petit historique. Et le guide des épisodes dans ce livret. Vraiment chouette. Toutes les séries n'en sont pas pourvues d'un guide des épisodes. Donc il faut louer vraiment le souci d'être exhaustif de la part de l'éditeur.
Parce que c'est un bon complément pour ceux qui n'auraient pas de livres sur la série. Donc c'est vraiment chouette d'avoir ça. Là, c'est sur le doubleur. Voilà, un super livret. Livret du coup vraiment bien fait et qui vient compléter du coup mes deux livres sur, sur la série. Voilà, celui-là plus dur à trouver maintenant, donc si celui-là est encore à acheter. Donc n'hésitez pas, il est excellent celui-là de Didier Liardet aux éditions Iris. Je vous le conseille fortement si vous êtes fan de Columbo. Il viendra compléter au mieux cette édition Blu-ray. Donc pour les Digipacks, donc avec un visuel différent pour chaque Digipack, la liste des épisodes au dos du Digipack. Donc le disque 1 comporte les deux pilotes et commence la saison 1 du coup. Et donc dans ce premier Digipack, il y a les deux pilotes, la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Et donc voilà, les disques ne sont pas sérigraphiés, ils sont tous, ils seront tous blancs comme ça. Avec des visuels derrière les disques qui m'ont l'air très sympa. J'ouvre ça. Me revoilà avec. J'ai enlevé les disques. Et dessous les plateaux, il y a des illustrations des principaux adversaires de ces saisons-là. Adversaires du lieutenant Columbo. Donc c'est vraiment sympa d'avoir mis des choses, des illustrations, des photos plutôt dessous les disques. Même si on ne les voit pas forcément quand il y a les disques, mais au moins c'est pas tout blanc, quoi. Donc, et le digipack ouvert du coup est comme ça. Voilà. Donc un soin particulier pour les digipacks. Vraiment content que les disques ne soient pas empilés. C'est toujours mieux. Le deuxième digipack, saison 4 à 5. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'une saison à une autre, il n'y a pas le même nombre d'épisodes, comme vous voyez. Voilà. Donc là, même principe avec des photos sous les plateaux et les disques des saisons correspondantes. Voilà. La saison 4 et 5. Un plus gros digipack parce que plus d'épisodes au cours des saisons 6 à 9. Voilà. Hop. Et le dernier Digipack. Hop. Saison 10 à 18. Avec les suppléments sur le disque 22. Et oui, il y a 22 Blu-ray. Donc les suppléments exclusifs sont sur ce disque de bonus. Voilà, ça valait le coup vraiment d'attendre cette édition de Columbo qui a été plusieurs fois repoussée. Parce que l'atelier d'image recherchait les meilleurs masters possibles avant de faire l'édition ultime pour la sortie en France. Donc, c'est tout à leur honneur pour que nous, fans, puissions avoir
la meilleure qualité d'image, les meilleurs masters. Et pour info, dans le dernier année laser, du coup, dans ce numéro-là de décembre 2023, il y a une pleine page sur l'édition Colombo. Voilà. Donc c'est une interview très intéressante des dirigeants de l'atelier d'image et qui reviennent sur les difficultés de trouver les meilleurs masters. Et pour cette série, du coup, c'est pour ça que ça avait été repoussé, du coup. Donc une page vraiment intéressante pour en savoir un peu plus sur les difficultés d'éditer aussi, par exemple, une série et d'avoir le meilleur matériel possible pour l'éditer. Voilà, donc je vous conseille de lire cet article dans Les Années Laser. Autre petit point pour les précommandes des 500 premiers sur le site de l'atelier d'image, il y avait un poster. Donc ça c'est pour les 500 premiers, un poster sympathique avec des silhouettes du coup, et surtout deux badges vraiment sympas. Donc encore une petite chose. Donc deux phrases emblématiques du lieutenant et quand je dirais ça à ma femme. Donc voilà deux petits badges sympas qui étaient offerts pour les 500 premières commandes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez cette série et si vous comptez l'upgrader en Blu-ray. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo, sans doute la semaine prochaine, puisque j'avais précommandé également l'Armée des 12 singes en édition spéciale sur le site de l'atelier d'image, donc une édition qui ne sera pas en vente dans les magasins. Donc je vous dis à très vite et portez-vous bien.